C'est pas de te décourager. Bon ben Salut enchanté Patrick. Patrick. Enchanté. Bonjour Bonjour. Patrick. Bienvenue à Enghien. Donc aujourd'hui on a la chance immense d'être invité par un de nos abonnés, Patrick, qui nous a proposé de venir vlogger le golf d'Enghien. Du coup pour ça ben on voulait le remercier déjà. Hop, avec ce petit cadeau. Merci Et voilà. Voilà, des petites balles sympas. Voilà, elles viennent Merci, du c'est golf de cool. la Bahouette, c'est là. Oui. Donc Petit voilà, souvenir de petit la Bahouette. package pour te remercier. Merci, c'est gentil. Et j'ai envie de dire qu'on commence toujours par un petit cri de guerre, non? Et Ouais, ça oh bon, ça va fait chauffer. Oh Oh my my golf! golf! Aujourd'hui, on vous emmène donc sur le Bruno, un 9 trous plutôt compact, Oui. Plutôt compact, ouais. Pitch qui se and trouve putt. à Enghien. Ouais, c'est C'est entre ça? 100 et 250 mètres. Donc Ok. voilà, bon, ouais, si on s'appelle Luc, le pitch est faisable, mais pour nous, ça va être un peu plus difficile. Ok. Donc D'accord. voilà. Ok. Donc du coup, toi, pourquoi Enghien? Pourquoi Enghien? Bah, parce qu'ils avaient des prix attractifs. Et puis, bah, pour les deux parcours, justement, parce que quand on est débutant, bah, je pense qu'un parcours compact, c'est assez c'est bien pour pas se manger des trous de 600 mètres où tu te décourages parce que tu le fais en 12 coups, quoi. Ben ouais, tu vas avancer directement et puis tu vas devoir progresser, tu vas directement te sentir ton évolution et prendre du plaisir en Oui, exactement, exactement. Et parce que, enfin, au premier jour, tu sais, le driver, fait. enfin, toi-même, tu sais, quoi. Quelle galère, moi je galère du driver. Galère du Nickel. driver. D'ailleurs, j'en cherche un, si jamais vous avez quelque chose de convenable à proposer, mettez-le en commentaire. Ouais, d'ailleurs. Qu'est-ce que tout le monde, bon youtubeur, demande aux gens qui sont nouveaux sur cette vidéo, qui n'auraient jamais vu cette chaîne de faire? Ouais, mettez la cloche et activez le pouce, un truc Et comme ça. yes, oh my golf, abonnez-vous les gars. Abonnez-vous. Ok, Et du ben coup, on va taper des balles. on a une news aussi. C'est Ah mon ouais? premier parcours. C'est mon Ah premier ouais, parcours parce donc que Aurore, je elle vient d'avoir suis son 54. 54. Ça y est, ça y est, ça y Voilà, est. elle est ça t'a Prête. fait quoi Donc, de toucher un peu ça, le brevet un peu du doigt? ben, j'étais un peu surprise. Enfin, Sylvain me l'a dit en mode bon, ben voilà, va t'inscrire. Et donc, enfin voilà, quand mon pro m'a dit va t'inscrire, je m'y attendais pas. Tu Et découvres. donc, j'étais un peu décontenancée. Et puis, mais je suis là avec vous, donc on va découvrir sur le terrain. Ouais. Il faut être très gentil avec ce Non. que. Non. Non? On verra ça. Non, On il verra. faudra. On Bon. verra si elle est douée ou pas. On sait pas. Je pense pas. Je suis débutante. Alors les amis, on se retrouve du coup directement sur le trou numéro 1 avec l'ami Pat, Aurore comme Pitch and d'habitude, et putt. moi-même votre serviteur. Aurore donc a eu son 54 hier et aujourd'hui nous allons jouer une version Scramble. Aurore et moi donc en Scramble et le Pat contre nous deux. Scramble, ça veut dire quoi? Donc Scramble Aurore, ça veut dire qu'on va jouer chacun une balle au départ, Oui. on garde la meilleure, on Oui. la marque et on retape chacun une balle de cet endroit-là et on garde de nouveau la meilleure et ainsi de suite jusqu'au trou. D'accord. Ok? Rien à voir avec Donc, le croustillant au-dessus des tartes aux pommes. non, Scramble, ça c'est le crumble. Non, Ouais! non, 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 non. Jusque-là, j'ai rien. Ça, je connais très bien, par contre, ce vocabulaire-là. Mais scramble, ça veut dire aller vite, non? C'est quickly, allez Oui, donc changer vite pour gagner du temps. voilà. Donc, on fait cette En version-là, anglais. les amis. On va quand même jouer le match, hein. On va quand même jouer le mieux qu'on peut pour vous montrer que même en débutant, on sait faire des petites choses sympas. Je ne sais pas si vous voulez dire quelque chose. Moi, je vous dis déjà une bonne partie à tous les deux. Bonne partie à vous. Oui, bonne partie. Yes, Et et du encore merci de nous coup, accueillir ici, hein. avec grand plaisir. Allez, bonne Top, partie. top. Elle est belle, hein? Elle est très Un belle. peu courte, je pense. Ouais, un peu trop courte. Allez, mais bon, la porte est grande ouverte. Bien joué. Tu joues avec quoi du coup là? Moi, je tente le 56, petite approche tranquillou, hein. Sandwich? Ou 56, que j'utilise aussi comme sand, ouais. Ah! Tu me dis 56, je suis tentée de savoir ce que c'est. Non, t'es 54. Ça en fait, 56, 54, moi je m'y retrouve plus dans le bazar. C'est le love de ton Moi, frère. jusqu'à y être. Ah, ça arrive souvent, tu vois, qu'on rate des trucs et tout, et qu'après il faille remonter. On dit qu'elle va à l'arbre là-bas. Ah, pas loin, t'as vu? J'ai dit que t'allais aller à l'arbre là-bas. À l'ami Pat de jouer. Qu'est-ce qu'il va nous faire?
avec son tissu. Un petit peu courte. Ok, donc petit putt à réaliser avec une bonne grosse motasse ici. Limite, c'est pas la bonne option, je pense, qu'on fait là. C'est pas mal, hein. Ah, elle est longue, hein. Je vais arrêter ça tout de suite. Ah, moi, je compte à fond sur Aurore pour les putts. Vraiment, genre, je me dis vraiment que c'est l'endroit où on peut récupérer un point, quoi. La ligne était bien, hein. Peu court, mais la ligne était bonne, hein, franchement. Oh, t'as pris un petit. Un bois. Là, tu m'as perdu. En fait, un bois. Ok. Tu vas avoir un petit bump au début. Ok. Tu vas te permettre de passer des trucs pas cool, quoi, tu vois. Bon, là, je l'ai mal tapé. Donc... Et pourquoi pas un pitch? Tu pourrais faire un pitch aussi, mais okay. Le pitch est plus incliné. Et donc, il va te la lever un peu plus. Okay. En fait, le pitch, je pense que dans la théorie, c'est 50% en l'air, 50% en haut. Mais c'est intéressant, j'aurais pas du tout pensé à l'avantage ça. L'avantage que tu sois plus grand aussi, c'est que tu le prends plus bas, tu fais des bons. Ouais, du coup tu sors plus facilement du reste. Ok, donc j'y vais sur ma balle. Cette... Ok. Non ! Mais qu'est-ce que je fais ? Là, t'as craqué ! Mais alors. Oh, on n'est pas réveillé. Ah, mais, c'est le premier trou, il paraît que ça compte. C'est lundi matin. Non, mais vendredi en fait. Ouais, mais il y a le codeco. On va dire que c'est ça qui nous permet. Là. Bon. Catastrophe. Tu pattes ? Ou tu voudrais pas ? Vas-y, non, vas-y, tranquille, vas-y. Selon. Vas-y, hein, vas-y, Aurore. C'est ta balle, c'est moi ? Okay. Ah ouais, non, c'est moi normalement. Ouais, normalement c'est toi. En fait ? Ouais, c'est moi, non, c'est moi qui dois le faire, c'est moi qui dois le faire. Ok. Je vais vous mettre de ce côté-là. Alors, on pensait gagner du temps en scramble. Ta carte fédérale maintenant, elle est 54, elle est assurée. Plus de vie. Hey, mine de rien, t'es peut-être à droite, t'es peut-être ce que tu veux, mais il y a quand même une frappe, quoi. Ouais. C'est dérangeant parce que tu te dis. Enfin, voilà, tu vois, là, moi, quand j'ai tapé, il était juste là. Elle est très belle. Voilà, on était sur le green, quoi. Jusqu'au green. Ah, ça c'est à gauche. Ok, mais bon, elle est là. Boîte. Oh, quel mauvais coup, Aurore. C'est pour toi celui-là. Hein. Ah, ok, bon. Ça va pas, c'est toi qui vas avoir le taf là. Bon, je suis là. Mais par contre, il fait souvent gris, quoi. On vit avec, quoi. Donc, voilà, on vit avec. Mais c'est vrai que la vidéo, des vidéos que t'as dû voir, c'est que... Bon, Aurore, tu j'ai gratté. Moi, c'est dégueulasse. J'aurais peut-être dû prendre un hybride pour boîte. Ouais. Là, Aurore, tu peux marquer ta balle, hein. Au cas où, Au cas où, Jonas fait pire. Ce qui s'est passé, à mon avis, c'est que t'as... T'es venu taper là-dessus, tu vois. Et c'est là qu'on se dit que peut-être que l'autre balle aurait été plus facile à jouer. On va essayer d'un peu la taper alors. Oh, qu'est-ce que je fais? Je suis fou. Et je peux même pas. Mais on va pas la donner. Vas-y. Nous, c'est donné, Aurore. Tu peux la retirer du coup.
Ouais, tu peux la prendre en main. Vraiment ? Ouais, ouais, il nous l'a donné, donc ça veut dire que vraiment, tu peux la prendre en main en fait. Mais pourquoi alors la scène n'est pas donnée, la nôtre ? Parce qu'on a dit, genre le truc que j'ai dit avant, hey, mais comme on joue compète, on va pas la donner. Parce que Jonas est moins sympa que moi. Et puis c'est tout. Voilà, vas-y, mets ton partenaire à un moment. Ça, c'est une invitation pour créer une chaîne YouTube différente, tu vois. À Anguin. Alors moi j'ai deux chaînes YouTube, je sais pas jouer au golf. Oui, bien joué, bravo. Bien joué. Bien ouais. Eh hey, yes hein. Un joli petit coup ça. Je prends. Oui. Run, donc je. Merci hein. Ah, merci l'ami Pat qui a été nous chercher le parapluie pour protéger le matos. Ah c'est trop cool. Eh ouais. Ouais. Je l'ai mis sur le green. Mais la mienne n'était pas belle. Mais elle est pas belle, hein. Je l'ai fait rouler, elle est pas belle. Hein. Mais merci à toi, c'est hyper sympa de ta part. Avec plaisir. Toi plus Marie Popine. Elle est belle, hein. Très belle. Ouh. Elle est magnifique, bravo. Je t'écoute. On t'a déjà dit que tu prendras un Caradoc. À qui? Caradoc. C'est qui Caradoc? Caradoc. Vas-y dans les commentaires. Dites-moi si ce gars ressemble pas à Caradoc. C'est qui Caradoc? Non, je connais Caradoc pas du tout. C'est Kaamelott, les gars. Ah ouais, d'accord. Non, tu sais quoi, je suis pas du tout Kaamelottien, quoi. Je dois. Mais genre, parce que je connais pas en fait. On m'a dit que je devais regarder, mais. On va aller voir. Bon, ok. Bon, là, je lui avais fait une photo de lui. Ah, mais. C'est promis, je la mets là. Je la mets là. Je la mets là maintenant, la photo. Vous inquiétez pas, direct. Direct. Ah, je voulais être en haut de la ligne et malheureusement, j'espère que tu feras mieux. Oui. Allez, t'as la ligne au vent. Aucune pression. Ah, dommage, dommage. Pas birdie non plus, malheureusement. Mais non, Aurore, t'as pas filmé? Mais non! Oh, elle est belle! Oh, elle est belle! Oui, monsieur! Magnifique coup de la part de Pat! Ouais, très beau! Et il retrouve son tee. Non, mais elle est. Franchement, on va essayer de venir coller ça. C'est toi qui colle? Jean Vichy, et ça nous donne. Ça nous donne vraiment l'envie d'aller plus loin, de rencontrer plus de monde. Plus loin que cette balle, quoi. Plus loin que cette balle. Elle était dégueulasse. Ce que j'aime, c'est. Belle balle. C'est ce golf décomplexé, tu vois. Belle balle. Pour s'amuser. Allez, le moins. Derrière, t'as une grosse pente, ouais. Ouais. Donc, je pense qu'il va falloir jouer la balle de la mienne. Finalement, Aurore relève sa balle parce que je pense qu'elle est quand même en jeu là-bas. Je l'ai fait avancer quand même de au moins 3 mètres dans ma balle. Ah oh ouais, j'ai sorti un hybride pour faire 3 mètres de balle. Je suis assez fière, j'espère que Sylvain qui ne regardera pas cette vidéo. Bien sûr qu'il regarde toutes nos vidéos. Sylvain est un de nos supporters fervents. Ah, et surtout Sylvain, donc coucou à toi. Coucou, prof au drôme. Désolé pour cette Ben, c'est simple en fait, tu vas être content. Ça veut dire qu'elle va revenir chez toi prendre un cours. Longtemps. Bon, en tout cas, on n'a pas dans cette vidéo, en fait, on rigole un peu d'Aurore et tout, mais c'est bienveillant et elle sait que c'est dans un but d'amélioration et que c'est pas du tout de la méchanceté gratuite ou je sais pas. En tout cas, j'espère que tu le sais, quoi. Non, je le sais je veux dire, j'en rigole moi-même parce que ben, forcément, c'est là. En fait, il y a beaucoup d'informations quand on commence le golf et c'est très bien. C'est, en fait, c'est ça qui est chouette, mais c'est clair qu'on est un peu nul quand on commence. Et ce qui me rassure, c'est que vous me dites tous, on est passé par là. Donc je me dis bon. Évidemment. Ouais, voilà. Comme on disait hors caméra avec Jonas, non seulement c'est compliqué de commencer le golf, mais commencer le golf en pensant à la vidéo, au son, ouais, au parapluie, etc. etc. Ouais, c'est ça qui est gay aussi. Tu as dit le parapluie juste quand je l'ai mis dedans, c'était parfait. La belle est pas si mal, ta balle. Putain, mais ça s'appelle un divo, ça. Ça s'appelle une tranchée. Ça, c'est, on peut se mettre dedans et se cacher et attendre l'ennemi. Regarde ça comme c'est ni vu ni connu.
Aurore, à toi. C'est le moment, c'est l'instant de faire de la magie. Aurore, Jonas compte sur toi. Ouais, laisse-le là pour l'instant, laisse-le là. On a vu, après tu le fais. Ah, il a pas son club. Ah, pas de club, pas de golf. Pas de golf. Pas de golf, pas de vidéo, pas de vidéo, pas de YouTube, pas de YouTube, pas de plaisir, pas de plaisir, pas d'abonnés, pas d'abonnés. Alors, non, pas d'abonnés. Il faut des abonnés, abonnez-vous les gars. Si vous pensez que... Écoutez, moi je dis, si Aurore la met sur le green, ça vaut bien un petit pouce bleu en dessous, ça nous aiderait beaucoup. Ou même deux pouces bleus. C'est pas la pression, hein. Non, ils peuvent ouvrir le compte de leur sœur, le compte de leur frère, faire un petit pouce bleu. Non, parce qu'il faut quand même que ça reste une chaîne pour les golfeurs, par des golfeurs. Non, mais Aurore avait une question en fait. Aurore, t'avais une question? Non, là j'en ai plus. Ouf, elle est prête. Dites-vous que là, elle va la mettre au mât. Soudainement, je n'en ai plus. Je vous entends, hein, marmonner. Sylvain en PLS. Ah, Sylvain en PLS. Bon, on va garder l'autre, hein, on va garder l'autre. Une très belle ligne, ça. Mais là, moi, je vois, moi, en fait, je les vois plus en... Mais moi, je la vois descendre vers la droite aussi, là. Mais le problème, c'est que c'est pas le cas, quoi. En fait, oui, aucun problème. Pour sortir du rough, on va essayer, hein. Sylvain, désolé. Mais non, mais non. Vas-y, attends, alors, rejoue là. Ouais. C'est de la triche. Après les deux fois 3 mètres, elle nous fait 20 cm. Mais non. Donc voilà, il faut mettre un peu plus... Non, mais remets là où elle était et rejoue là, vas-y, juste ça. C'est lui qui l'a C'est la première fois qu'elle essaye. Oui, c'était la première fois que j'essayais. Non, mais c'est une technique qui est pas si mauvaise. Hein. On se moque. Sinon, au pire, on dirait que c'est une technique belle. C'est pas plus mal. Mais voilà, je pense qu'on va quand même prendre la balle de Jonas. Ah, elle tourne pas, elle tourne dans le mauvais sens en plus. Mauvaise lecture de green. Comme quoi. Ça. Qui fait 2 mètres. Oui, ça arrive même au milieu. Ne vous prenez pas la tête. Même moi, je rate des balles. Soyez décomplexés. Jouez cool. Jouez cool. Prenez exemple sur moi. Mais je vous ai pas encore dit mon handicap. J'ai un très bel handicap de 38,8. Je suis jamais descendu à 36. Mais donc t'as pas ton brevet en toi? Si, j'ai mon brevet. Et du coup ici le brevet, au brevet on est à 45 à la base. Et puis beau pote. Et puis voilà, et puis en fait je fais pas assez de compète parce que boulot, parce que 3 enfants, parce que toi-même tu sais quoi. C'est la vie. C'est la vie, exactement. Mon pote pour le par, en discutant. Et on est bon. Bien. Ok. Non. Eh ben voilà, ça arrive même au meilleur, c'est ça que tu disais, Aurore. Exactement. Tu vas sortir le driver, toi? Oui. Et elle est belle, hein. Elle part à droite. Mais t'es bien là, hein. T'es sur un fairway, bon. le silence, le silence. Ah, et les pas les blades. Après commercial encore, hein, ça. Qu'on comprenne pas. Je pense que c'est à moi de jouer encore, Jonas, tu sais. Ah, nous on est là. Ouais, mais vous êtes plus proche du coup. Ouais, on est plus proche, je pense. Pas mal. Ouais, mais j'ai du mal avec, tu vois, ces sols. Ouais, c'est compliqué. Hein. En fait, sur du sable, quoi, sur la plage. Ouais. Golf à la plage. Eh ben. Oh. Écoute,
On est copains hein, sur cette balle-là. Hop là, ce que vous avez vu, c'était le parapluie. Pas mal ça. Ah, là le green il roule bien. Hein. Des tailles incroyables, ils ont des dénivelés de dingue. Ils sont d'une beauté. Mais d'ailleurs, c'est dans une des vidéos que j'ai faites. Hein. C'est la deuxième vidéo que j'ai faite tout seul. Oui, oui, oui. Et moi je suis content. J'ai trouvé ça super quoi. Eh, franchement, Aurore, c'est bien joué. Hein. Ouais, en fait, quand on te regarde pas, tu fais des balles de fou. Mais heureusement que la vidéo est là pour le montrer. Heureusement. Chapeau. Tu fais pas que des balles ridicules. Non, mais tu fais des belles balles, franchement. Et on rappelle, c'est quand même ton premier parcours. Je suis contente. Oui, c'est mon premier parcours. Oui, je suis fière. Je suis fière. Bon, bah du coup, on prend la balle d'Aurore sur ce coup-ci. Oui. N'oublie pas de la mettre un petit... Oui, je fais ça. Ouh, je vois le patte en analyse de la ligne. Je sens que là, il a envie de nous éteindre, là. Ah, tu pètes pour le par, c'est vrai. Le parcours, ça t'enrichit dans ton jeu et tu vas aller plus loin. Parce que si tu pratiques pas, c'est dans tous les domaines, c'est la même chose. Elle est dans la zone. Ah, on voit qu'il y a quand même un petit dégueulis à droite. Ouais, c'est bien parce que du coup t'as la ligne. Non, tu donnes trop peut-être. D'accord. Exactement. Ah, ça. Ouh, très joli. Très joli. Ah, ben non, c'est pas donné. Ah, c'est pas donné ça. C'est donné. Bah, oui, bon. Ça nous en fait. 1, 2, 3, 4, 5. Ah, 5. Ça nous fait malheureusement que 5, hein, tout ça. Ouais, mais après, je pense que... T'es en 2, là. Non, j'ai fait un mauvais départ. Ah, donc t'es en 3. Mauvais deuxième coup, en 3, donc là, je peux pour le par. Hein. C'est un par 4, ici? Ouais. Ah, ok, ok. Square. Yes. Tu dis, qu'il y a un livre qui s'appelle la Bible du putting. Non, je n'ai pas ce livre, mais c'est un livre énorme, dans aussi gros que la Bible. Qui parle du putting. Qui parle uniquement du putting. Et c'est là où tu vois que le putting c'est super intéressant. Et les gens ne travaillent pas assez. Au final, surtout quand tu débutes, c'est ça fait beaucoup de gagner des points. Quoi. Et les gens ne font pas. Le petit jeu, l'importance du petit jeu. Ouais. Alors, trou numéro 6, par 3, 134 mètres, les amis. 134 mètres en été, là, on va être. Ok. À droite du bunker, ça. Ouais. Ok. Et la pensée positive, donc. Mais justement, c'est de se dire, c'est pas grave d'aller dans le bunker. Ok, on peut voir ça comme ça. Oh, je vais aller nulle part. Commercial, on appelle ça. Sur le fairway, t'as un super line et t'as une belle attaque de green. Bien vu, ça c'est de la psychologie positive, tu vois. Exactement. Ah, dommage à gauche. Ça arrive. Les mêmes principes, hein. Tu vois, dans... quand t'es devant la balle. Ouais. Moi j'ai un pote là, la dernière fois il était sur le 18 ici, il y a un énorme plan d'eau juste avant, il m'a mis 9 balles dans l'eau quoi. Alors que mettre une balle à 100 mètres, c'est pas quoi. Et, ouais. S'il n'y a rien devant, il va le faire sans aucun souci, mais l'eau le stresse. Mais moi ça même pas à ce niveau là, je pense que c'est encore parce que je tâtonne encore sur comment toucher la balle. Et donc c'est vraiment du hasard avec moi, c'est vraiment encore du hasard. Mais, ouais, mais voilà. Bon. Ouais, je vais la monte la relève du coup. On a le temps de discuter. Là, le pad doit passer le bunker. Aïe! Petite croquette, Aurore, tu sais ce que ça veut dire? Croquette? Ça veut dire que là, on peut revenir dans le jeu. Oui, 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 oui. On va en profiter. Je crois que le mojo, il a tourné, hein. C'est pour nous maintenant. Ouh, la balle explose en route. Là, je vous mettrai, là, je vous ai mis une petite fusée là. Psh!
Pas au pire, toi. Ah non, enfin en fait c'est pas comme ça, donc en fait tu vas quand même taper une balle. Tu vois, t'as vu le vis du truc? Ouais. Gros, c'est des vieux clubs quoi. Mais c'est. Voilà, enfin si les gars y arrivaient à une époque, pourquoi on n'y arriverait pas maintenant avec quoi? Ouais, la ligne était bien, franchement ouais. Plus de puissance, plus c'était de bon. Puissance, et c'était bon. 1, 2, 3. Donc 1, 2. Ça c'est le quatrième alors. Donc on le prend si on l'a. T'as fait 5 toi. Bon, après si t'avais filmé mon pote, ce serait mieux, mais. Ouais, je suis désolé, franchement. Mais voilà. Je suis dégoûté de pas l'avoir filmé. Et ils reviennent. Bien. One up. On revient. One up. Bien, bien, on prend ça, c'est tout bon. Au moins. Ah, elle va aller dans le bunker à droite, hein. Je joue mieux au practice, hein. Ouais, vas-y, on va. Il dit que Sylvain doit s'en frotter les mains en disant elle va revenir bientôt, elle va revenir bientôt. Ouais. Elle, je la perds. Quand on a commencé, c'était pas aussi. Oh, j'ai glissé, mais carrément, elle m'a glissé. C'est qui disait que j'avais fait un mauvais coup? Non, mais tu sais que là, je me suis fait mal, genre. Quoi. Là, il a pas dépassé. Regarde ça. Je crois que ça veut dire que je vais devoir payer un truc à quelqu'un là. Ouais, ça pue la bière. Ah, ça, ça. Ça pour un gars qui boit plus d'alcool, c'est chaud. Mais je te paierai ta bière avec grand plaisir. Donc relève. Donc si tu veux bien me relever ta balle, là, elle est là. Elle bien est sûr. Là, regardez si vous bien l'avez sûr, pas vu. Bien sûr, est... bien sûr. Ne cherchez pas trop loin, là. Elle est juste là. Je te laisse le plaisir de la relever toi-même. Hein. Ouais, merci, au revoir, c'est très gentil. Ah, j'ai une mauvaise touche hein, là pour ouais, l'instant. Elle est commerciale. Ouais, pareil, elle est commerciale. Je reprends cette alors, expression. On va essayer de retrouver la balle sur le fairway d'à côté. Tiens. Ah, dommage pour lui. Bien essayé quoi. Ouais, il est pas encore sur le green, mais il a passé le bunker. Ah! Bien positionné. Yes. Putain, les gars. 3 airshots. Je pense que là, on va s'arrêter. Hein. On va s'arrêter là, ouais. Ah, mais non, je passe en dessous. Oh, je suis vraiment content d'être venu derrière toi pour la filmer, celle-là. On passe par là. Regardez-moi, je viens faire 3 airshots. Oui, voilà, monsieur. Bien. Et tu sais, là, ça va dans la boîte, tu vois. Elle est, franchement, elle est belle. Ouais, elle est belle. Elle a sorti chez vous, vous êtes à fait fondue. Ouais. Mais la femme n'est pas là. Oui. Mais... Oh, ce green l'a absorbé, tu vois. Ouais, je m'attendais à ce qu'elle roule et tout. Mais le green. C'est ma question, c'est pourquoi tu la soulèves? Pourquoi tu ne la fais pas rouler plus, tu vois? Mais en fait, les sols ici, ils sont très spongieux et tout, tu vois, on ramasse beaucoup. Ouais, ouais, c'est vrai. Et du coup, je me dis, ici, si je dois péter, je vais vouloir mettre une patate. Et ça va partir loin. Alors je me dis que si je la lève et que je vise la bonne zone, elle va être. Mais là, je la voyais bien un mètre plus loin. Ouais. Non, pas fait. Ça va peut-être rien donner. Eh, franchement, on garde ta balle. Magnifique. Ah ouais. Revenu. C'est pas le même jour. On est revenu mettre encore. Cette balle à cet endroit-là. Madame. Oh là 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 là. Oui monsieur, et donc ça te fait combien de coups? 5, 4. Oh, chouille à côté. Allez on y va, il y a des gens derrière, on avance. Bon ben, deux up de nouveau. Hein. Ah, mais je fais n'importe quoi, je suis trop froid.
tu me déconcentres à chaque fois. C'est beau ça. Oh, tu lui as fait honneur là. Ouais, Sylvain. Vous avez pris 140 heures de course, Philippe. Ah, c'est dur de ratisser dans la pluie, là. Oui, monsieur. Oui, monsieur. Allez, la deuxième était la bonne. Trop long. Dans la forêt Aurore, sur ce coup-là, on a besoin de toi. Ok. Tiens. Mais là, en fait, on peut descendre one-up. En fait, il fait nous rêver. Allez, allez, rentre dessus, rentre dessus, rentre dessus. Oui, oui, madame. Là, c'est quoi là? On en est où là, du coup? T'as fait 1, 2, 3, 4, 5 et nous on a fait 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Fini. Donnez. Bon Aurore, si je la mets, on a. Les one-up, on peut gagner, on peut faire square. C'est pas simple. Très froid. Oh oui monsieur. Très belle. Un peu courte mais elle est bien droite hein. Ouais. Je crois qu'elle est moins loin que moi tout à l'heure hein. C'est toi qui paye les chocolats chauds, je crois. C'est beau ça. Ah, ça s'échappe dans le bunker. La distance est belle. Bien. Voilà, il veut vraiment pas que je le joue. Oh là. Chaîne comme ça, on a chaud quoi. Ah, elle ressort. Elle ressort à la porte. Et c'est beau ça. Ouais, là, sort, force quoi. Là, je me suis dit, c'est bon, elle va aller beaucoup trop. Après, t'as les feuilles. Allez, Aurore. Yes. Je prends le. Ah, t'es pas sans. Ouais. Très beau pote. Allez, au revoir. Ah, mon pote. Oui, c'est ça. Aurore, on peut dire que peut-être que des centaines de personnes vont regarder cette vidéo. 200, 300 personnes. C'est le moment de leur montrer. Aïe, victoire du pâte. Oh, check. Bien joué à vous. Bien joué à toi. Félicitations. Oh, t'as vu, ça fait que je
suis plus grand. Non, mais pas du tout. Regarde, je peux me mettre comme ça. Donc, non, mais écoute, je voulais te dire félicitations. Merci. Merci pour cette belle invitation. Franchement, on a joué, mais nul. Mais on a été nul, nul, nul. Mais j'ai pris beaucoup de plaisir malgré tout parce que ça aussi été un apprentissage en fait, au niveau de la vidéo. Ouais, tout à fait. Franchement, on voit le temps que ça prend. On essaye vraiment d'être concis, d'avancer, de poser, d'avancer. Alors, il faut dire qu'il a beaucoup. Pleuvait, c'était pas des bonnes conditions. Du coup, ça c'est aussi quelque chose voilà, qu'on va devoir prendre en compte dans les vidéos. J'espère qu'au niveau du vent, du son, ça a été. On va tout découvrir à la fin, mais en tout cas, encore une fois, merci. Oui. Et du coup, ben, comme promis, on fait un hippodrome. J'aime pas t'être plus dispo les jeudis, vendredi. Pour l'instant, ouais. Bah, écoute, a priori, dans 15 jours, on se voit au drôme un jeudi, vendredi. Qu'est-ce que c'est? Ah, mais là, vous êtes sur YouTube maintenant. Ah, là. C'est en direct, hein, là. Enchanté, au plaisir. Bien, merci beaucoup. Bon, mais j'ai envie de vous dire petit cri de guerre ou quoi? Ouais. Ouais, tout de suite. Oh my golf!